Quel plaisir de débarquer sur l'île Notre-Dame. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le circuit Gilles Villeneuve pour ce Grand Prix du Canada. J'espère que cette année, on aura de la vitesse, de la performance et que vous allez pouvoir suivre en entièreté cette course qui s'annonce de qualité. Très important d'arriver à la bonne vitesse dans la dernière chicane pour attaquer le tour. Et surtout de bien en sortir. C'est parti, la piste semble libre. On attaque cette première chicane, très complexe, c'est là où on avait joué hein. L'an dernier pour notre premier doublé avec Pierre. C'était compliqué face à Hamilton, le Grand Prix que vous n'avez pas pu suivre malheureusement suite à Shadowplay. Salut toujours Nvidia et ses mises à jour violentes. Un composé entre ça et le jeu parfois, c'est délicat. Très agressif sur ce coup, mais cela vaut la peine. Oh, complètement large là. Catastrophique cette épingle. Très compliqué ma balance de frein. Très limite aussi. Dans le dernier secteur. Et on se met 2 dixièmes derrière Pierre. Attention. Ça suffira pour passer en Q2 sans trop de problèmes. Situation stabilisée devant avec Pierre. On est aux avant-postes à l'issue de cette première séance devant les Mercedes. On trouve ensuite les Red Bull, les McLaren et les Aston Martin imbriqués les unes dans les autres. Et parmi les voitures éliminées, on compte les 2 Alfa, Romeo, précisons, les 2 As, la Williams de Guan Yu Zhou et malheureusement Romain Grosjean, toujours très compliqué pour AlphaTauri. Allez, la Q2. En pneu médium. On va tenter de faire fonctionner une stratégie inverse. On peut se le permettre étant donné la voiture que l'on se paye. Ça pourrait nous permettre de voir aussi en cas de safety car un petit peu plus loin. La contrainte, c'est qu'il faut attaquer. Y être certain d'aller au bout. Allez. Le tour se passe bien. 1 minute 45, c'est la toute fin de la session. Ça devrait le faire, hein. Ça devrait passer avec les médiums. C'est plutôt pas mal. Que va donner ce chrono? Troisième. Oh, et Gasly aussi est en médium. Pierre est en médium. Bon, 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 bah ça c'était pas prévu. Et bien voilà, on est en Q3, j'espère en tout cas, avec ce chrono, tout comme Pierre. Et cela va suffire pour se mettre en Q3. Intéressant également de voir les voitures qui ont réussi à se hisser dans ce dernier quintet au niveau des équipes, hein, puisque Mercedes, Red Bull, Ferrari, Toyota et McLaren sont là. Les autres sont éliminés, hein, que ce soit les Aston Martin ou les Alpine. Le dernier AlphaTauri aussi de Jack Aitken. Par contre, intéressant de voir que Bottas aussi a tenté le pari des médiums. C'est pas si idiot que cela. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en médium, on est 2 dixièmes derrière Hamilton. Ça promet pour la Q3 et la bagarre pour la pole. La bataille pour la Q3, il reste un peu plus de 2 minutes. Pas super bien sorti malgré toute la dernière chicane. Les 2 Ferrari peuvent être la bonne surprise. On va suivre ça avec attention. Alors attention justement, il y a une Red Bull qui me sort sous le nez là. Peut-être pas le meilleur timing. Pas cool ça de la part de l'équipe Red Bull. Oh, il y en a touché. Ouais, on a touché. Ça c'est dommage par contre. Ouais, on a pris malheureusement, on s'est fait piéger par la Red Bull qui sortait des stands, ça nous a déconcentré.
Je suis parti à la faute. Malgré tout, ça ne devrait pas être trop dérangeant. Parce que le dernier secteur, c'est à fond. Alors, que va donner ce tour de qualif? Eh bien, le deuxième temps, 2 dixièmes derrière Pierre Gasly. En espérant que ça tienne encore jusqu'à la fin de cette Q3. Toyota assoit sa domination à l'issue de cette séance qualificative. On a touché le mur et on a perdu 3 dixièmes. On laisse la pole à Pierre Gasly, c'est un peu dommage, mais bon, c'est tout à fait normal puisque c'est le plus véloce du plateau finalement, hein, Pierre, avec ses 98 points de valeur. Hamilton, Albon et Verstappen complètent le top 5 et derrière les Ferrari et les McLaren le top 10. Nous voici de retour sur les rives du fleuve Saint-Laurent à Montréal. En 1978, une variante de cette piste accueillit pour la première fois le Grand Prix, remporté cette année-là par le grand Gilles Villeneuve. Le circuit fut ensuite rebaptisé en son honneur, ayant été le premier Canadien à s'imposer dans son pays. Le circuit Gilles Villeneuve est l'un des plus rapides de la saison. Les moteurs tournent à plein régime sur environ 60% des 4,3 km du tracé. Il y a 14 virages à négocier, dont le dernier et le plus connu risque d'entraîner l'intervention de la voiture de sécurité. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Pierre Gasly part en pole position à l'issue d'une magnifique performance lors des qualifications d'hier, et le capitaine complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Hamilton, Albon, Max Verstappen, et Bottas, Norris, Leclerc, Ricciardo et Carlos Sainz, Stroll, Perez, Daniel Kvyat et Aitken, Ocon, Russell, Guan Yu Zhou et Kevin Magnussen. Latifi, Giovinazzi, De Vries et Romain Grosjean, dernier sur la grille. Lequel de ces talentueux pilotes grimpera sur la plus haute marche du podium aujourd'hui? We're not seeing any technical issues coming off the practice start. What's the RPM on the full start? We don't... Très compliqué, hein, le départ de la grille, mais c'est fait. Eh bien, nous sommes les deux seules voitures du top 10 à être en pneus médium aux avant-postes. Bottas est un peu plus loin, derrière les deux Red Bull d'Albon et Verstappen. Mais ça nous promet un début de course intéressant. On devra se battre principalement avec Pierre. Derrière, Hamilton et Albon seront à surveiller, bien sûr, avec leurs pneus tendres. Ils vont peut-être même nous dépasser, mais tant qu'on peut garder le DRS, c'est bon signe. Contrairement aux apparences, le côté nuageux du ciel ne nous apportera pas de pluie. Ça, c'est un point positif aussi dans cette quête de titre. Pierre se relance, il est troisième du championnat. Il a gagné Monaco, va-t-il gagner le Canada? En tout cas, moi, je bloque un peu mes roues. Toujours très compliqué pour moi de trouver cette balance de frein lors des tours de formation. On va voir un petit peu justement ce que va donner ce Grand Prix du Canada dans des conditions un petit peu compliquées. Puisqu'avec les pneus médiums, on va devoir contrer les Mercedes. Et je vais servir d'écran pour Pierre une nouvelle fois. En tout cas au classement constructeur, c'est vrai qu'une première ligne 100% Toyota, ça fait du bien. On marque pas de points, mais pour le moral, c'est bien de débuter devant les Mercedes et les Red Bull. Et derrière, eh bien Ferrari en outsider avec McLaren. Tout reste possible, surtout si safety car il y a au moment du départ. The rest of the grid is forming up. Be patient and watch for the lights. Tout est en place et le départ est rapidement donné à l'avantage de Pierre Gasly, ce qui est logique. Hamilton derrière nous emboîte le pas. On garde l'avantage pour le français. Et bon envol de la part des deux Toyota. Pas de drapeau jaune pour l'instant derrière, ça me paraît propre. Bon, si, il y a un souci et safety car.
ready to keep it positive to avoid a penalty. C'est une Alpine qui a un souci et Daniil Kvyat est hors course. Ça ne semble pas être le seul. Alors neutraliser la course alors qu'on est en médium, c'est pas plus mal. Ça nous a permis de prendre un bon envol par rapport au Mercedes, mais surtout de conserver du temps de piste sous drapeau vert avec les bonnes gommes. Mais écoutez, je vous propose de revoir ce qui s'est passé pour le pilote de l'Alpine. Il y a une Williams qui est également en difficulté, semble-t-il, une Ferrari ou une Alfa Romeo, je crois, également un peu de mal. Et donc, drapeau jaune dans le premier tour de ce Grand Prix du Canada. Une neutralisation qui change légèrement la donne. On a été un peu bridé, j'aurais espéré une virtual safety car, mais il n'en est rien. Delta jusqu'à rejoindre le pace car qui nous attend à la sortie du deuxième virage. Le voici, il est là-bas au bout et Pierre va le rattraper derrière. Bon départ d'Hamilton qui est le mieux placé des autres, ceux qui sont en pneus tendres. Bottas derrière l'une des McLaren en pneus médium. C'est Bottas que l'on doit surveiller parmi les autres pilotes qui ont la même stratégie que nous. Retour au stand, je crois, des deux Williams, si je ne dis pas de bêtises. Russell et Zhou. Zhou qui a déjà dû abandonner à Monaco après une énorme bêtise dans la remontée vers le casino, où il est allé tout seul comme un grand taper le rail. En tout cas, les deux Toyota devant une Mercedes, les deux Red Bull. C'est le top 5. Retour au stand du pace car à la fin de ce troisième tour de Grand Prix. On va donc retrouver un régime de drapeau vert d'ici quelques instants. On attend que Pierre relance ce qu'il fait juste avant la chicane. Et c'est reparti, drapeau vert au Canada. On a un très bon run juste au moment de passer la ligne. Oh Pierre, on va pas jouer aux égoïstes à ce stade-ci de la saison, mais on était plus rapide. Il y a un nouveau drapeau jaune devant les stands, semble-t-il une AlphaTauri, je crois, en difficulté. Peut-être un abandon à l'issue de cette première safety car. On ne s'est pas compris. Du côté de Jack Aitken, ouais, qui est parti visiblement avec une voiture défectueuse. Et on avait quasiment recollé le peloton pour les deux Williams. Ça, c'était une première bonne nouvelle. Quant à nous, eh bien, les pneus médiums fonctionnent bien. On va devoir les emmener au moins jusqu'au 9-10e tour de course facilement. Donc ça, c'est très très bien pour nous, cette safety car. Ça nous a sauvé deux tours de gomme. Reste en mélangerie. Je vous fais un topo aussi sur l'état de la monoplace. 13% d'usure sur le pneu arrière gauche. Et au niveau de l'usure des pièces, voilà un point. Je vous le laisse en insert. Attention, drapeau jaune, l'AlphaTauri qui n'a toujours pas été évacué. On vous demande de garder un petit peu sous la pédale. Allez, drapeau vert. Tout ça semble revenu à la normale. Hamilton qui a pas mal freiné. Hein. Une seconde, deux de retard pour le pilote Mercedes. Oh, ça s'appelle un freinage ultra tardif. On reste en mélange riche, on peut consommer un petit peu plus. Ce qu'on va faire par contre, c'est qu'on va essayer de garder assez de DRS pour la deuxième partie de course, parce que j'ai bien envie d'aller chercher le meilleur tour en course, bien aidé par le DRS que n'aura pas Pierre pendant toute la deuxième partie de l'épreuve, alors que le soleil revient un petit peu. Il nous aura manqué un petit peu celui-là, ça fait du bien, ça va ramener de la température dans les gommes. On en a un peu besoin, je vais pas te mentir que là ça devient compliqué. Plus de RS maintenant. On va le couper, on va le remettre en intermédiaire. Question aussi de gestion au niveau des pneumatiques. Est-ce qu'on va devoir faire un under ou un over sur Pierre?
Il retourne 1:10.651 hein, pour Gasly. On va voir si on peut emmener les pneus un peu plus loin. C'est peut-être là que la stratégie va se jouer. Une seconde 8, hein, Pierre qui a pris un petit peu d'avance. Pour l'instant, la seule voiture sur laquelle on peut se baser, puisque Bottas a perdu du temps avec les McLaren autour de lui. Pas de changement au niveau stratégique pour nous. On sent entre le 10 et le 17e tour. L'avantage, c'est qu'on pourra en juger directement avec Pierre. S'il ne plonge pas, eh bien on ira au 10e tour dans les stands. Si pas, eh bien on attendra 2 tours. On se calquera sur Pierre tout simplement. Hamilton 1:04, Pierre 1:04 également. On est revenu hein, un tout petit peu sur notre équipier. Pour l'instant on gère et la stratégie et les gommes parfaitement. Début de Grand Prix agité avec l'accident du départ, mais depuis on fait tourner, on déroule comme on dit, sans trop se tracasser du côté de chez Toyota. On est comme à la parade pour le moment. Ça fait plaisir de voir aussi qu'on a le rythme par rapport aux performances de Pierre, qui je le répète est donc le meilleur pilote du plateau maintenant. 1,67, on est bon aussi au niveau du carburant. On peut voir venir surtout s'il y a une nouvelle neutralisation. Et on sera sur les pneus tendres dans notre deuxième relais. On a fait le meilleur troisième partiel. À noter. Et on se rapproche tout doucement de Pierre. Pas suffisamment pour obtenir le DRS pour le moment, mais on a réduit un tout petit peu, quelques dixièmes. Maintenant on reste à 1:02, 1:04. On oscille entre ces deux écarts. Là on revient particulièrement fort sur la deuxième monoplace de l'équipe. Allez, ERS et DRS de notre côté. On met tout. Et on revient avec Pierre. On se protège. Et on reprend le meilleur tour. 1:10.109. C'est agréable. Alors que ça commence à rentrer derrière. Hein. Et des retours au stand pour Hamilton, pour... Alexander Albon, et je me demande si les deux Red Bull ne sont pas rentrés en même temps là. Non, il y avait déjà eu un arrêt hein, de la part d'une des deux monoplaces de l'équipe autrichienne. Équipe. Allez, ERS et DRS, on remet la sauce. Dans cette fin de premier stint, il faut absolument être performant. Bloque malgré tout toujours un peu les roues dans cette épingle. On est bon là sur le RS. Un petit peu loin. Véritablement rejoindre Gasly en tête. Push now. We're boxing this lap. Et on va s'arrêter à la fin de ce 10e tour de course. Que disent les pneus? 27%, c'est pas énorme. On serait peut-être même en mesure d'aller chercher 2 tours supplémentaires avec ces gommes-là sans trop perdre de temps. Et ensuite avoir des gommes bien plus fraîches pour déloger Pierre. Sachant que je cherche à garder ce meilleur tour en course, ça
ça pourrait être une opportunité intéressante. On peut rester en riche, hein, de toute façon, vu la consommation actuelle de carburant. Pas de panique à avoir. On est bien large. Est-ce qu'on va risquer de rentrer maintenant et d'être un peu trop court avec les pneus tendres? J'ai pas envie de piéger Pierre le tour suivant non plus. Je n'utilise même pas mon DRS, je suis perdu dans ma stratégie. Là, c'est pas terrible ce que je suis en train de faire. Écoutez, on va faire un, voire deux tours de plus. Tout dépendra de Pierre. Je trouve que ça sert à rien de rentrer maintenant. Les pneus sont encore bons, moins de 30%. Au moins sur le train arrière. On peut monter à 33-35 facile. Et ça nous permettra avec cet overcut de peut-être contrer les Mercedes avec leur médium. Bottas passe en soft, c'est logique. Meilleure stratégie hein, pour Mercedes. Russell qui est monté 5ème. Oui, il était parti en médium aussi. Hein. Seconde au tour plus rapide que la voiture qui nous poursuit. Que la patte surprise. Et regardez, on revient sur Pierre, hein, donc véritablement, niveau de la gestion de la voiture. Regardez, 32% à l'arrière, c'est pas mal. Hein. La voiture n'est pas si consommatrice que ça. On va profiter un maximum de l'ERS et du DRS. Pierre qui va sans doute rentrer à la fin de ce 11e tour. Et on va tenter donc l'overcut sur Pierre. On nous rappelle donc que Pierre rentre dans les stands. Il va sans doute repartir en tête. Ocon n'a toujours pas ravitaillé. Russell non plus. Deux pilotes qui sont en médium. Et surtout, Russell a déjà ravitaillé. Rappelez-vous, les deux Williams sont rentrés au premier tour. Ça me revient maintenant. Et donc, pour l'instant, Russell est en train de nous faire un travail exceptionnel. Il a été doublé. C'est logique, hein, par Hamilton avec le DRS dans la ligne droite du troisième partiel. Mais la Williams a son rôle à jouer dans la suite du Grand Prix. Ouais, il a retenu Hamilton, maintenant Albon. Et logiquement, Verstappen va suivre hein, pour récupérer ce qui est la cinquième place de cette course. On confirme bien qu'on va rentrer à la fin de ce tour. On peut utiliser hein, le dépassement. De toute façon, on va rentrer à la fin du tour. On n'en aura pas besoin. Et on est en plus 1 d'extra fuel, mais on sait ça. On va se concentrer pour aller vraiment chercher ce meilleur tour parce que Bottas, eh bien, il est sur la même stratégie que nous. Attention. Et Virtual Safety Car au moment où on rentre. L'abandon de George Russell. Oh, ça, c'est un coup magistral pour prendre la tête du Grand Prix. Oh, est-ce qu'on va pouvoir profiter de ça? On va nous faire une Lewis Hamilton à Imola. Ça repart. Pierre qui est devant. Est-ce que Pierre va pouvoir reprendre la tête de ce Grand Prix du Canada? Et on va se mettre avec un delta positif. Voilà, derrière Pierre, on ne pouvait pas passer. Fin de la VSC, mais on est derrière Pierre avec des pneus plus frais. Hamilton, 3ème. Et Bottas, 5ème. Il est passé devant Verstappen. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour George Russell, mais ça ne m'étonnerait pas qu'un pilote qui voulait lui prendre un tour se soit fait toucher. En attendant, eh bien, on est rentré dans la pit lane. Et on va pouvoir s'attaquer à Pierre. En fait, j'ai soulagé à la sortie des stands parce que je me dis, si j'essaie de le dépasser et qu'on termine la VSC... J'aurais pu être piégé. Oh là, la première, oui. On dit d'utiliser l'overtake, mais je pense surtout au meilleur tour en course et au point qui va avec. Pierre nous reprend pour l'instant 7 points. 6 du coup, parce qu'on a un meilleur tour, mais il faut le conserver. Et je compte bien sur ce point du meilleur tour pour changer un peu la donne. Tant qu'on a des pneus frais en mélange riche. Et on a fait le meilleur troisième partiel dans le 13e tour de course. Allez, c'est un duel au chrono. Oh, on est un petit peu en train de s'ouvrir. Là, je pense qu'on peut oublier le fast slap sur ce tour-ci.
n'a pas le DRS, donc on va pas risquer le tout pour le tout. On va essayer de se rapprocher de Pierre. Qui est à 2 secondes devant nous, c'est quand même assez conséquent. Parce qu'on a peut-être perdu la course avec... Bon, la VSC, elle était géniale. Hein. La VSC, elle était vraiment bien timée. 5 tours de carburant, ça va le faire. Il faut se rapprocher absolument de la deuxième voiture de l'équipe si on veut aller gagner ce Grand Prix du Canada. Trop de choix hein, pour le moment. Alors Pierre tourne vite. Et il prend le meilleur tour. Bah oui, c'est logique. Allez, à nous maintenant de faire la différence dans ce 15e tour. Mes secteurs non pas dans le mauve mais dans le vert. Pour l'instant c'est à la loyale puisqu'on n'a pas de DRS. Très généreux sur le vibreur mais on avait bien deux roues sur cette partie du circuit. Et on fait pour l'instant le meilleur deuxième partiel. Attention parce que niveau carburant on n'aura pas 3 tentatives. Hein. Peut-être une au prochain tour mais c'est tout. Terminé pour le RS. On l'a entendu directement dans le moteur. Alors que va donner ce tour? Oui, une 9-242. Une 9-242. Et on va patienter maintenant avant de repartir à l'assaut de Pierre. C'est vrai que l'année passée, on avait fait le doublé. Avec la dénomination Yaros, on avait fait le doublé pour cette équipe. Première victoire de marque pour nous. Devant Pierre et Lewis Hamilton qui étaient à notre housse. On va garder le même schéma. Et Bottas qui vient de passer Verstappen. Hein, notre stratégie. Oh, c'est fini pour Albon! Attention Alexander Albon qui semble avoir un gros souci. Ça pourrait nous valoir une VSC. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour le pilote thaïlandais, mais ça a l'air copieux. C'est fini. Et bien encore une fois, Red Bull va perdre un de ses soldats dans la bataille. Et Magnussen également à l'abandon. Alors attention parce que ça va être une course au finish, 17 voitures encore dans cette épreuve. Sur un tour on a eu l'abandon d'Albon, beaucoup plus grave que celui de Magnussen hein, sur la Haas, mais tout de même. On rappelle qu'à la fin de ce Grand Prix, il y en aura encore un à parcourir pour vivre le premier changement de boîte de l'année. Il nous reste 2 tours de carburant. Ce sera largement suffisant. On maintient le meilleur tour. On a le RS à fond. On va essayer dans le dernier tour de retirer pleine puissance et du moteur et de la voiture. On va aller chercher justement une amélioration dans ce meilleur tour en course. De toute façon, plus grand chose à gagner dans ce Grand Prix. Pierre est au-dessus. Il n'y a pas à dire. Pierre, il est au-dessus du lot. Derrière bah, les Mercedes qui sont notre officiellement notre équipe rivale. Contre moi par rapport à Verstappen en termes de rivaux, ça va être très intéressant tout ça. Allez, dernier tour du Grand Prix. On va essayer de voir si dans le premier partiel je peux améliorer le temps que j'avais fait dans mon record du tour précédent. La voiture est propre, elle tient parfaitement bien les pneus. Très très proche du mur ici. Un petit peu de sous-virage quand même. Ah, les pneus sont pas aussi neufs qu'avant. On est dans le vert. Hein. Dans le premier partiel, mais c'est dans le deuxième qu'on avait créé la différence pour faire le meilleur tour tout à l'heure. Et qu'elle est bien équilibrée cette auto. Et on va signer un nouveau doublé pour Toyota. On peut qualifier
quasiment d'historique. Hein. Ah, et en rouge. On est dans le rouge pour le deuxième partiel, c'est fini. Écoutez, on va pas risquer le tout pour le tout non plus. On va se remettre en standard pour économiser un peu le bloc. Eh bien, les amis, nouvelle victoire de Pierre Gasly. Après Monaco, la fiabilisation de la voiture porte ses fruits. Toyota qui fait 1 et 2 sur l'île Notre-Dame. Yes, 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 we're on the podium. Good job this weekend, great drive, thank you. Le drapeau à damier est agité et c'est la fin de ce Grand Prix. Félicitations au vainqueur qui grimpe sur la plus haute marche du podium après une prestation remarquable. Dites-moi Nicolas, comment a-t-il réussi à décrocher cette victoire aujourd'hui ? La voiture de sécurité a complètement changé la donne. Impossible de savoir ce qui se serait passé sans cette intervention. Mais il est clair qu'ils ont très bien géré la situation. Eh bien, quel incroyable dénouement dans ce week-end de Grand Prix qui nous aura fait vibrer jusqu'au bout. Les trois premiers peuvent être vraiment fiers de ce qu'ils ont accompli aujourd'hui. Voilà les résultats officiels de ce Grand Prix du Canada avec donc le doublé pour Toyota. Le meilleur tour nous revient avec un 1.09.242. Derrière, les deux Mercedes sont là, donc pour assurer les points. Verstappen, seul représentant de Red Bull. Je regarde un petit peu, oui, derrière, ça s'est joué à peu de choses tout de même entre Perez, Sainz et Guan Yu Zhou pour avoir des points pour Williams. Et parmi les abandons, eh ben oui, effectivement, il y a quand même pas mal de voitures qui n'ont pas franchi la ligne d'arrivée. Les deux Alphas en bout de course quand même, hein, avec Giovinazzi et De Vries. Si on regarde le classement, eh bien Pierre reprend la deuxième place à Hamilton pour un petit point. Comme quoi, vous voyez, hein, les temps autour en course, c'est pas mal. Mais surtout, cette stratégie-là fonctionne bien. Hein, avec le deuxième relais en tendre, on est plutôt en sécurité. Alors la VSC, quand on rentre, nous aurait peut-être permis de gagner le Grand Prix. Pierre était intouchable aujourd'hui. Leclerc remonte 7e devant Stroll sur l'Aston. Donc, ouais, c'est pas mal. Et au classement constructeur, Ferrari repasse Aston Martin hein, aussi pour 3 petits points. Mais tout de même... Et surtout bah, devant Toyota, Mercedes, ça commence à s'échapper tout doucement, c'est plutôt pas mal. Et derrière, eh bien, Williams repasse devant Haas et Alfa Romeo. Alors au niveau de l'infrastructure, on a amélioré un petit peu, donc on ne va pas y toucher. La R&D, on sait qu'on a du châssis en cours, le moral est plutôt bon. J'ai bien envie de quand même continuer au niveau performance parce que je me dis que finalement la voiture doit tenir au niveau aérodynamique pour la suite. 2000 points pour un développement standard. On va quand même prendre le risque de développer cette partie de la voiture parce que si on fait le point au niveau de la R&D, ça peut grandement avancer. Les activités sont mises en place, il n'y en a pas tellement finalement au vu du temps qui nous est alloué. Et on peut passer pour le coup les prochaines épreuves. Alors le bilan, 14 millions, quelques points. Est-ce que la R&D, tout est bon? Oui, tout est bon. Bah écoutez, on a pu améliorer un petit peu la voiture. 819 points, on va les garder en stock pour la suite. Et la Toyota reste la meilleure voiture. Et ça, c'est très très bien pour la suite de cette saison. Et on sera chez vous pour bon nombre... d'abonnés, d'amis viewers, direction la France et le circuit Paul Ricard pour la 6e manche de la saison. La compétition est rude et en France, Pierre aura sans doute envie de faire retentir la Marseillaise dans le Var. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce Grand Prix du Canada. Très intense duel entre nous et Pierre. Ce sera comme ça, je l'espère, jusqu'à la fin de la saison. Je vous invite à vous abonner et à ne pas manquer la suite de cette saison My Team avec Toyota. À la prochaine. Salut !